Yep. Yep. Tiens. Comme. Depuis que je suis en train de décortiquer la pistache, tu m'as aidé. Tu as pris la peine de m'aider. Et j'ai faim. Quand j'avais ton nom, j'étais déjà mariée. Et je préparais bien chez nous. Toi, tu es toujours comme ça. On ne peut pas te demander quelque chose. Tu dis que pas dans la chambre, tu prends l'argent, tu peux manger. Tu es toujours là, tu tournes, tu changes les sujets, tu changes les sujets. Ah. Mais tu t'es déjà mariée, ça fait quoi? Est-ce qu'on a le même âge? D'accord. Tu es toujours comme ça là. Mange-moi. Maman, les parents difficiles. Si moi, on me demande de choisir, je ne devais même pas naître chez toi. Ouais. Je devais naître quelque part en France. Hé hé hé. Oh, Francio. Va alors en France. Elle est toujours comme ça là. Même ici, là, même à côté, chez les voisins, ils n'ont même pas la voiture. Mais quand elle dit qu'elle a faim, on parle à boulanger, elle prend ses mains, elle prend. Ouais, mais ici, là, non, mais elle reste chez eux comment? Moi, elle veut rester ici là. Va rester chez eux, non? Elle reste chez eux comment? Et la maison c'est un. Oh, 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 oh. Arrêtez-vous. Hein? Il se passe quoi? Vous allez où là? Mais comment nous sommes les êtres humains? Quand vous dites oh là, soyez pas. Je veux savoir où vous allez. Nous allons ici parce qu'on sait qu'il y a chambre à lui ici. Oui. Et vous ne savez pas que c'est moi la bailleresse. On doit savoir, nous sommes des sorciers pour savoir, maman. Va, la personne va me dépasser, mais qu'est-ce qu'on fait comme ça? Lassez-vous par là. Vous cherchez la chambre, c'est pour qui? Attends, la façon que tu nous pousses là, on t'a dit qu'on vient demander. C'est la chambre à lui qu'on nous a expliqué, c'est ici, à l'immeuble ici. Quand nous, oui. Mon fils et moi, nous venons chercher et on s'entend. Dans la vie, il faut s'entendre dans tout, maman. On t'a dit que je suis une rombière ou je suis une sorcière, que tu me pousses et tu me parles n'importe comment. La chambre, c'est pour qui au juste? C'est pour mon enfant c'est, que voici. C'est pour moi. Et où est son CV? CV? Oui. CV pour faire quoi? Pour louer chez moi, il faut un CV. Un CV? Oui. Madame, à ce que je sache, c'est dans les sociétés qu'on demande le CV. Ah. Si il a quel niveau scolaire, voilà. Quel diplôme il a, voilà. Et tout. Le CV pour la maison à louer, vous vous entendez parler même? Non, je m'entends très bien parler parce que ici c'est moi qui dicte les lois. Parce que la maison, si je l'ai construite à la sueur de mon front. Mais tu devais construire ça à la sueur de tes fesses. C'est ça que je t'ai dit donc. Que ici, il faut un CV. Et puis ton fils là, il fait quoi dans la vie? Il se bat dans la vie. Non, se battre n'est pas un travail. Madame, quand on dit que se battre dans la vie, il faut bien écouter. Parce que même le ministre là, il se bat. Tu as compris? Oui. Il faut que je t'explique. Quand on dit que se battre dans la vie, il peut être un pousseur, il peut être un laveur de voiture, il peut être un vendeur d'eau glacée, il peut être même un coursier. C'est se battre dans la vie. Et dans quand on dit qu'un enfant se bat, il faut bien comprendre. Parce que la personne qui erre dans le quartier, c'est la personne qui monte, il descend, il ne sait même pas là ou pas. Là il va. Mais celui-ci, regardez-le. Je l'ai bien regardé. Oui, il se bat dans la vie. Et dans sa bastonnade là, il touche combien? Attends, son salaire, c'est combien de sa bastonnade? Maintenant, tu veux connaître le salaire? Mais bien sûr, parce que je ne veux pas me retrouver avec les maux de tête. Maintenant, je veux qu'on me paye mon loyer. On est incapable de me payer parce qu'on me dit que peut-être il n'y a pas l'argent. Parce que là où il bastonne déjà, la main équipe bastonnade. Ici, c'est l'argent. Ce n'est pas la bastonnade. C'est pour ça que je demande, dans sa bastonnade, il touche combien le mois? Parce que ici il y a des règles. Parce que vous avez déjà trop parlé. Mais je veux vous dire qu'ici, il y a des règles. Effectivement, il y a la chambre à nous ici. Ici, c'est moi qui commande. Le portail se ferme à 17h. Quand je lui demande son CV, c'est parce que je veux certains détails. 17h, c'est le portail. Si tu n'es pas encore là, tu dors dehors. C'est comme ça. C'est pour ça que je veux savoir ce qu'il fait dans la vie. Maintenant, comme il bastonne, il touche donc combien pour que même s'il dort dehors, au moins que mon salaire soit, mon loyer soit payé. C'est pour ça que je demande son salaire. Et puis, entre temps même, est-ce que vous êtes encore avec son père? Hein? Faut vivre encore. Attends, avec son tout père. Ça, c'est toujours c'est pour la location ou bien? Oui, parce qu'il faut que ça s'il leur père. Parce que les enfants qui grandissent sans la présence masculine sont des délinquants. C'est des voyous. C'est pour ça qu'elle veut vérifier si effectivement il a grandi avec son père. Tu as quoi, il voit avec mon père? Oui. C'est toujours pour la maison, si. C'est tout pour ça. Tu veux connaître s'il est salarié? Oui. Il touche combien? Tu veux connaître son géniteur? Oui. Bientôt, tu vas connaître sa femme? Bientôt, tu vas connaître dans quel village je sors? Oui. Toujours pour la maison, si. C'est pour la maison. Bébé les Zamba. Mais yébé. Nalmi. Nalmi feu. Tu as compris, non? C'est comme ça que madame, il faut connaître. Il faut être poli.
Je suis très la pauvre. Maison, si je suis sûre que tu es, comment dire, sous couvert. Parce que la... Oui. On regarde le même. Oh, voilà, Gloria Poupina. La BRS Unique Internationale. On t'a dit que je suis sous couvert ici. J'ai fait ça à la sueur de mon front comme ça. Mon mari est mort, il m'a laissé. Il n'y a même pas la lumière ici. Là. Je me suis battue en tant que femme. J'ai conçu ma maison. J'ai dit que c'est ton fils. Il y a les chambres. On a même la chambre même que tu veux là. On a pris ça il y a 2 semaines, mais je pouvais dégager l'imbécile là parce que sa tête m'énerve. Pour mettre ton fils. Mais comme tu n'as pas assez, tu es venu maintenant pour me gueuler. Si déjà toi tu me gueules au début comme ça veut dire que M. Yip, un jour comme ça, vous allez venir me faire. C'est plus mieux. Je te dis bien, c'est plus mieux. Parce que moi, quand tu vois là, je ne suis pas facile. Tu demandes le CV, tu demandes le géniteur, tu demandes le salaire. Mais toujours quand tu vas lui demander sa femme, tu vas lui demander. Et on va le voir sur toi. Oui. Je dois connaître son orientation sexuelle. Si c'est toi qui viens. Je ne veux pas qu'il vienne me sortir les phases ici, Mayem qui. Madame. Je dois avoir tous ces détails. Madame, je suis en train de te dire. Ouais. Si tu connaissais combien coûte un brique. C'est quand tu n'es pas en train de parler. Je connais, c'est pour ça que je parle. Ça que c'est moi qui impose les lois. C'est toi qui as tué mon mari. J'ai tué, j'accepte et je suis chez moi. Gwe qui n'y a loué mouna. Tu ne loues pas ici. Je loue. La chambre là, on a pris ça il y a 2 semaines. Je pouvais même faire sortir l'imbécile là pour toi. Mais comme ta mère a la gueule là, elle croit qu'elle gueule trop. Vous venez pour commander, vous gueulez déjà 2 semaines. Donc tu viens me gueuler derrière sur moi. Les gens ici vont venir me taper. Je ne peux pas prendre le genre de locataire ici. Je prends le genre que moi-même je peux taper. Mais... J'aime les gens posés, les gens ponctuels. Tu comprends bien? Comme tu es tout déjà, tu es arrivé hier soir. Le matin avant 8h, tu es déjà ici. C'est ce que j'aime, en fait. Parce que les gens croient que moi, je gonfle. Je ne gonfle pas. Ce que je parle est normal. Donc, dorénavant, tu vas venir ici, tu vas passer même 2 jours. Même s'il faut que je te loge. Tu as la chaud? Tu as la chaud, maman, qui me drague. Personne ne te drague. On va même d'abord te draguer. Regarde comment tu es. Habite comme une belle femme. Regarde, tu es belle. Tu portes la chemise de ton mari pour marcher. Je ne t'insulte pas. Je viens vers toi, toi ma sœur de cœur. Tu me cites. Regarde, si toi et moi, on nous invite dans un cinéma, mais regarde comment tu es habillé. Bien assis. Tu n'as pas le charisme. Le charisme. Le charisme. Le charisme. Tu regardes, c'est les mains. Tu dois encore être une mère. Charisme. Donc les charismes, c'est le charisme. 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 Le charisme. Mais je t'en veux, père. Mais tu es quand même belle. Mais c'est de marcher avec la chaussure de ton mari. Tu as compris? Il faut cesser de marcher avec la chaussure de ton mari. C'est pas normal. C'est les clés, la chaussure, c'est en qui. Ça a cru et puis ça fait quoi? Comment tu t'en parlais? Je me rappelle quand on se tamponnait à Bonapiso, à la radio Audace. À la radio Audace. Donc, c'était comme ça. C'était comme ça. Donc, le 28, elle te dit, maman, elle te dit, maman, le 28, elle te dit, maman, aïe. Et, la mère est cruelle. La mère est cruelle. Parce que la manière que tu t'es battue, la mère est cruelle. La mère est cruelle. La mère est cruelle. Maman, oh! Va te reposer un peu. À toi les fleurs. À nous les lames. Maman, tu nous as beaucoup montré.
Maman, oh, tu dois nous manquer. Tu dois nous manquer. Maman, tu dois nous manquer. Tu dois nous manquer. Maman, Yuki Sini Mango. Maman, oh. Bye, ma.